les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter la Glossy Box du mois d'octobre 2015, La Gourmande. Pour résumer cette box, enfin le contenu de cette box est très bien, mais j'ai un petit coup de gueule à pousser, bien que je sais que Glossy Box ne regardera pas cette vidéo. Mais bon, pour vous prévenir, parce que je pense que certaines personnes peuvent être concernées. Moi qui suis une toute petite youtubeuse, ça me concerne. Alors j'imagine même pas les personnes qui sont pas youtubeuses, ça leur arrive. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi j'aime beaucoup, bien sûr des fois je suis déçue, mais j'aime beaucoup le contenu de la Glossy. Mais le souci, ça m'est arrivé plusieurs fois de suite, c'est que je recevais deux box. Le même mois, deux box, je recevais une box. Le lendemain, je recevais une deuxième box. Glossy Box me disait que c'était moi qui m'étais réabonné, que j'avais deux comptes. À chaque fois, j'annulais, j'attendais quelques mois, je laissais passer, et je reprenais un abonnement. Vous n'allez pas me dire, je sais quand même prendre un abonnement. Et à chaque fois, il me recollait deux box. Et là, ça fait deux fois que ça arrive, ils m'ont collé trois box d'affilée. Bien sûr, ils me les débitent. Trois box d'affilée. Alors que je venais d'enlever... Quand j'ai vu qu'ils m'avaient mis la première box, ok. Quand j'ai vu que la deuxième allait arriver, j'ai dit, c'est pas possible, ça recommence. Donc j'ai tout annulé. Je pensais être tranquille. Et là, il y a deux jours, je reçois un mail, votre box va arriver. C'est quoi cette connerie? C'est une blague? Je pensais vraiment une blague qui s'était plantée, quoi. Mais non, ils m'ont renvoyé une troisième box, la gourmande. Je l'ai eu en trois exemplaires et ils m'ont débité trois fois. Alors, je suis désolée, moi, je suis pas millionnaire, loin de là, loin de là, loin de là. Ça fait un grave creux dans mon budget, surtout en ce moment que j'ai des problèmes avec la voiture. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Souvent ils m'ont débité deux et là trois. Non mais c'est du foutage de gueule, mais hallucinant. Alors que j'avais annulé mes abonnements du fait que j'en avais reçu deux, j'ai annulé tout de suite après. Et hop, la troisième elle revient, alors que j'avais pas fait, j'avais tout annulé. Alors j'en ai ras le bol là, je comprends pas, normalement tout est annulé. Donc je ne devrais pas recevoir une troisième. C'est vraiment du foutage de gueule, mais grave. Donc tant pis si j'aime beaucoup les produits. Glossy Box, c'est fini pour moi, quoi. De toute façon, il y a plein d'autres box auxquelles je suis abonné. J'ai jamais eu ce problème-là. On m'a jamais envoyé deux box d'affilée et encore moins trois. Enfin, voilà, trois, quoi. Là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Ils se permettent vraiment n'importe quoi. Je vous dis, ça m'arrivait plusieurs fois. Il n'y a pas qu'une fois ou deux, ça m'arrivait. Mais là, trois fois, non. Mais c'est grave quand même. C'est profiter des gens, mais c'est incroyable. Donc, Glossy Box, c'est fini pour moi. Ils ont pas intérêt à me renvoyer encore une box parce que là, ça va aller mal. Je vais porter plainte, j'en ai ras le bol. C'est bon. Donc, je vais quand même présenter la box parce que je la trouve belle, mais ça sera la dernière. Celle-ci, ce sera la dernière pour moi. Donc, on a le petit livret. Et moi, sur les trois qu'ils m'ont envoyé, normalement, j'ai vu que vous aviez en goodies les petits bâtonnets avec les cupcakes. À la rigueur, je m'en fous parce que je m'en sers pas. Mais sur les trois, il y en a deux qui en avaient pas, quoi. Déjà, c'est pas normal. Et en plus, on en envoyait trois, non. Bref. J'ai pu m'attarder là-dessus. Mais voilà. Alors, pour la dernière fois, je vous présente le contenu de cette box. C'est dommage, mais c'est de leur faute, quoi. C'est bon, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, j'ai reçu un baume à lèvres biologique Naked Lips. 4,25 g, 4,95 €. Alors, c'est un baume bio aux fruits. 100% naturel. Et par contre, l'odeur, elle est un peu spéciale. On sent légèrement les fruits quand même, oui.
Ah, ça va encore. Donc voilà pour ce baume que j'ai reçu. Je vais vous passer toute la description. J'ai reçu Huggins le gommage visage. Huile de sésame, poudre de riz. Voilà. Et sans les huiles essentielles, je trouve. Vous avez une tartelette au citron, mais moi perso, je trouve pas du tout qui sent le citron. Après, pour lire la compo, il faut vraiment avoir 10 sur 10 parce que c'est vraiment un crayon tout petit. Mais apparemment, à mon avis, il n'y a pas de citron dedans. C'est juste pour le décor qu'ils nous ont mis une tarte au citron, mais il doit pas avoir de citron, je pense. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Après. Peut-être les fruits qu'on sent, il y a peut-être des fruits, mais je sais pas. Parce que là, ils nous disent bien qu'il n'y a pas de citron. Poudre de riz, huile de sésame et thé vert. Genre, il n'y a pas de citron là-dedans. Hein. Non. Pour moi, non, pas du tout. Alors, c'est un petit gommage visage qui sent bon, ma foi. Je trouve qu'il sent bon. Le 50 ml vaut 19,90 et on a 10 ml. Je vais vous montrer de plus près. Voilà comment il est. Montre grossièrement à quoi ça ressemble. Il y a des petits grains. On sent les petits grains qui gomment. Mais ça gratte. Ça gratouille. Vous voyez plus rien. Ouais. Vous voyez. Ah si, il y a peut-être des fruits quand même. Il y a une odeur un peu spéciale. Bref, je sais pas. Je vais pas épiloguer au-dessus, savoir si ça sent le citron ou pas. C'est pas plus important. Donc voilà, deuxième produit. Ensuite, on a des recettes de beauté. Gommage à la fraise, masque à la tomate, nettoyant concombre, masque pré-masque au miel, lotion citron pour blanchir les ongles, pré-masque au miel c'est pour soigner les cheveux, exfoliant douceur, déloger le point noir, nettoyer sans graisse les os, c'est pour le visage. Ensuite j'ai reçu ce produit-ci, l'odeur c'est une tuerie, ça sent super bon le caramel salé. La Cassiden en Provence, gel douche caramel lacté, 250 ml, 9,50. Déjà il est trop mignon. Et l'odeur c'est une tuerie. Une tuerie. La packaging est trop beau, je trouve. L'odeur elle est. Je sais pas pourquoi à chaque fois on fait des vidéos on a le nez qui gratte. L'odeur elle est, on dirait du caramel salé quoi, l'odeur. Donc 9,50 € 250, enfin, c'est peut-être un peu cher pour un gel douche mais l'odeur c'est une tuerie. Et nous on a ça fait des 50 ml et ça fait de bonnes découvertes parce que ça c'est pas mal. Le baume à première vue l'odeur elle était pas top mais on s'y fait, ça sent quand même un peu les fruits, c'est pas mal. Ensuite j'ai eu la Too Faced la bronzer chocolat que
je voulais recevoir, pour recevoir, j'ai reçu en 3 exemplaires. De toute façon, j'ai tout reçu en 3 exemplaires. Mais mon compte, il va être content, hein, je vous le dis pas. Donc voilà la miniature de chocolat de soleil. Et ça sent la poudre de cacao, en fait. Par contre, pour ouvrir. C'est vrai, ça sent le cacao en poudre. C'est trop mimi. Produit tout fait, franchement, top. Moi, le contenu, il est top, hein. Franchement, ça m'énerve, ça me dégoûte même parce que je mets bien cette box et à cause d'eux, j'ai arrêté parce que franchement, j'ai pas les moyens de payer 3 fois la même box, faut pas déconner quoi. À cause d'eux, je pourrais plus l'avoir, mais bon, on va prendre les gens pour des cons. Donc, les 10 grammes valent 26 euros. Nous, on a une petite miniature. Après, on a une recette. Encore une recette. On a de Nasing London, un vernis à ongles Montpellier Walk DML 14,90. Et ils nous disent que ça, la couleur fait penser à de la confiture de lait. Voilà, après on a tuto Nye Art pour faire des donuts. Moi les Nye Art, c'est pas enfin je me suis jamais je, comment dire j'ai jamais vraiment essayé en fait, mais faut vraiment être minutieux, avoir le temps et tout, et donc c'est pas mon domaine. Ensuite il y a des personnes qui ont reçu Matrice Biolage gamme de shampoing. Il y avait 3 gammes de shampoing 200 ml 14 euros. Il y avait 3 gammes différentes. Ou pareil, les 3 gammes dans la gamme de soins revitalisant 20 euros les 250 ml. Après, on a un genre de tuto pour faire un contouring. On a une démo comment faire pour faire une boîte de rangement pour mettre des produits. Moi ça me suffira pas parce que j'ai trop de produits. Donc voilà. Et on a eu deux petits chocolats comme ça à Lindor. Ça, ils sont trop bons. Donc je vous dis, la box en elle-même, son contenu il est top, je pourrais même y mettre 10 sur 10, mais le service client, en ce qui me concerne moi, ça va pas du tout, quoi. Donc je suis déçue, je suis dégoûtée comme je vous dis, parce que c'est pas la peine, je vais recommencer, ça va être pareil. Donc j'arrête les frais, quoi. Désolée, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'étais contente de cette box, mais c'est ma dernière à mon avis. Ou alors je la reprendrai, mais pas avant 6 mois au moins. On va essayer de retenter, mais là c'est bon. J'arrête les frais. Hein. Donc voilà les filles, c'était la Glossy Box La Gourmande du mois d'octobre. Je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos là-dessus, mais bon, je dis, je vais vous la faire quand même. J'ai plein de vidéos haul et box à vous faire, donc je vais faire à la suite. Je verrai ensuite dans quel sens je vous les mettrai. Et la prochaine fois, je pense, je vais vous faire. J'ai 3-4 tags en réserve que je vous ferai une prochaine fois. J'essaie. Peut-être si je les filme entre deux, je mélangerai un peu de tags et un peu de haul pour que vous n'ayez pas tout le temps des hauls. Mais en ce moment, j'ai pas mal de choses là-dessus. Donc on verra si je fais un mélange ou quoi, je verrai bien. Là pour l'instant je filme tout ce que j'ai reçu et je verrai après comment je vais m'organiser. Donc bref, voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Les garçons, je vous fais plein de bisous.